Député circonscription Jacques Mella, que tel Jean-Philippe dit, il y a une procédure qui tracé pour lever l'immunité en parlementaire qui t'a impliqué dans la mauvaise action dans le pays. Député Jean-Philippe fait connaître si c'est un député qui t'a commis action malhonnête, il a paré pour voter contre le parlementaire ça pour lever l'immunité. Toujours dans le micro, Fedmer Confident avec Isabella Chéri. Maintenant de la police, n'importe officiel qui apparaît devant eux, qui vient pour un bandit, arrêté officiel. C'est un point de force. Pourquoi ça me dit arrêté officiel là? C'est parce que l'immunité n'a pas voulu dire pour faire obstruction à exécution de la loi, à monde qui a mis l'ordre. L'immunité est là pour empêcher ou des persécutions pour, par rapport à la position politique. Et ce qui est important pour me dire, c'est que tout le monde a parlé de question implication officielle, yo, question lever immunité, yo connaît bien procédure pour lever immunité. Faut que le commissaire gouvernement il prépare le dossier a, et le ministre de justice a saisi le parlement. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a fait diversion, retirer le problème d'un côté pour placer de l'autre côté. Et tout le monde qui est officiel est là pour protéger et garantir et normalement que l'institution va marcher bien. Donc, la police pas de plaindre, la police doit faire travailler. Tout officiel qui vient barrer la police, ça fait travail, et pour la police, peut-être un barcode, rapport des forces, et les ça. Si son parlementaire, vous avez une procédure pour arrêter le parlementaire. Arrêter le maintenant le parlement, et le bureau a saisi, et le gouvernement compte ça pour le faire pour lui, entamer la procédure pour lever l'immunité parlementaire. Moi-même, si vous parlementaire qui est impliqué dans la question de barrer la police, dans mettre le bandit en barcode, moi-même, prêt pour voter contre lui, depuis qu'il y a preuve. L'autre nouvelle, député circonscription Belader à Gershon Guérard démenti quelques agents douaniers qui t'allongent douette sous lit comme monde qui t'a dans contrebande. Parlementaire a mis agents douaniers ça yo en défi pour prouver côté li impliqué dans dossier contrebande. Yon extrait dans micro Fedmer Confident avec Isabella Chéri. Dans moment frustration, t'as dégagé frustration, agent douanier t'a fait quoi que nous c'est député contrebandier, oui. Et je pense à l'habitude avec elle, c'est parce que nous toujours campé bon côté de monde qui peut faire bio et douanier, vous connaissez qui est si contrebandier. Et dans la douane, monde qui a goûté pour chercher l'argent, manger petit lit, qu'elle passe misère, il est le contrebandier. Monde qui rentre dans la douane, qui a une marchandise qui a supposé des douaniers, 1 000 000 de gouttes par exemple, il rentre dans le bureau, il négocie au ballon, on boit 100 000 gouttes, 50 000 gouttes, c'est lui, l'importateur, il est le papa tout des fois. Nous-mêmes, nous dénonçons ça. Yo. Et nous avons dit, nous tout simplement, pendant l'occasion, dit, tout le monde qui a utilisé la force, il faut qu'il utilise la force proportionnelle. Nous ne pouvons pas comprendre, sur toute frontière, chaque monde qui a un agent douanier tué, c'est même avec un chien que machine grasée. Et organisation cap défendre droit. L'actualité à président République la Jovenel Moïse retourné dans pays d'Haïti après plusieurs visites officielles li fait pendant dernier jour sa yo dans pays Mexique, Trinidad ak Tobago et puis Cuba. Chef l'État qui était rencontré ak étudiant haïtien yo dans la Havane profité annoncer disposition qui prend pour améliorer conditions boursiers haïtien yo dans pays Cro Sabine Jean-Étienne ak Jean-Naël Duvernay. Moins t'es participé dans l'investiture président Manuel López Obrador, qui est le nouveau président mexicain. Hein? Et moi, j'ai eu une chance de parler avec plusieurs autres chefs d'État que j'ai rencontrés qui ont participé dans l'investiture. Et le monde qui a fait plus de temps avec le président dominicain. Hein? Président Medina, que nous avons fait une longue conversation sur la coopération haïtienne-dominicaine et sur les relations que nous avons gagner dans les affaires, infrastructures agricoles dans le pays, parce que lui-même actuellement, il y a pile d'infrastructures agricoles qu'il a développées dans le pays. Ensuite, je suis retourné à Haïti et j'ai dit hier, je suis quitté le pays, je suis allé à Trinidad. Je suis participé à une réunion spéciale chef d'État caraïbio. Sous question marché commun et économie unique. Là. Et faut ne pas oublier, ça qui est plus important dans le sujet, c'est affaires libre circulation monde dans l'espace caraïbe. Là. Ça veut dire, même Jean Babad de Sotfel, qui permet à Haïtiens aujourd'hui
qui a voyagé librement, ils doivent aller et tourner sans avoir besoin de visa. Parce qu'il ne faut pas oublier car comme dans son espace que lié, c'est pour ça qu'on a travaillé, mais dans pile travail nous-mêmes qui bon côté pas nous pour nous faire dans niveau parlement grand pile accord qui mérite pour ratifier grand pile projet de loi tout qui gagne qui pour voter et nous parlons travail avec président Sénat République là président chambre des députés hein, pour nous travail sur pour accorder guide à nous sur agenda législatif année qui venir qui pour permettre nous travail pour nous pays dans Caraïbes là yo même yo capable mettez au pas avec nous dans toute démarche que nous venons va le faire pour permettre à faire libre circulation des personnes non économie unique à parler living possible parce que dans Afrique dans 20 l'année coopération bilatérale que Haïti gagne à Cuba jeudi 4 décembre c'est anniversaire coopération ça fait 20 ans ça veut dire 11 jours tant qu'aujourd'hui le 4 décembre 1998, Haïti a signé un accord de coopération avec Cuba. Et il était important pour moi pour m'aller et pour me parler avec le président Diaz-Canel qui était reçu voir et pour me dire que chaleur que nous recevons dans le président Diaz. Fait me comprendre que coopération, ça a gagné 20 ans, il a voulu durer longtemps. Et faut me dire que je me parlé avec lui, comment pour nous faire pour nous réviser coopération. Parce que j'en nous connais, je me dis, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Je dis en coopération, ça a ben nous plus passé 1000 médecins qui formaient Cuba. Mais, dans le nouveau programme que nous avons, programme de développement que nous avons, ce n'est pas seulement médecins que nous avons besoin aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, nous avons travaillé avec Cubains dans la construction de barrages d'irrigation qui a fait dans le pays. Par exemple, le barrage Marion qui a construit, c'est Cubains, 15 spécialistes cubains, qui ont 32 jeunes cadres. Nous voulons parler de 32 jeunes ingénieurs agronomes haïtiens qui eux-mêmes qui après formation dans les Cubains pour le Cubain finalé pour nous gagner haïtien ça même qui là qui capable pour charge dans entretien et construction barrage irrigation tout pour l'avenir et nous avons une chance avant nous quitter Cuba de recevoir quelques étudiants haïtiens nous voulons parler de étudiants La Havane, et je dis, hein, c'est ton jour l'école Bouillot. Mais, bien, ça m'entendait, qui va te faire bien du tout. Là, on dit, mon habit étudié, et puis, l'État fait 3 mois, bien des cotisations pour vous et pour vous qui vous permettent, bien des besoins primaires, ça veut dire, nous parlons de, par exemple, photocopie, nous parlons de recherche dans Internet que tout le monde a fait. Et l'autre besoin que vous avez, vous dites moi que vous ne pouvez pas recevoir comme ça depuis 3 mois. Moi, qui parle avec le ministre Affaires étrangères, ensemble avec moi, le ministre Santé, hein, il y a une décision qui prend, je prends pendant au Cuba même, et à partir de demain, les gens qui ont la lavagne ont pu recevoir ce qui a gagné 3 mois qui n'ont pas baillé. Et il faut nous dire l'autre, ça encore qui est important pour nous, c'est un coup nous avons une discrimination. Si les gens qui ont la médecine ont pu recevoir une allocation qui est plus haut que les gens qui ont le génie qui ont l'autre discipline. Yo. Nous tout ranger ça, nous disons pour tout le monde même bagaille. De l'autre côté, le président de la République, là, Jovenel Moïse, renouvelé engagement administration là, pour créer un climat la paix dans le pays. Chef l'État, salier travail, Premier ministre Jean-Henri Seyan a fait pour rencontrer toute secte en dedans pays. Toujours dans le micro, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Ma profite, féliciter
travail, moi, ouais, à partir de l'information que j'ai pendant moi, l'autre bois travail que la police nationale a fait dans les affaires sécurité dans le pays. Mais m'a dit que c'est son travail que nous pensons qu'il ne peut pas camper du tout. Parce que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de sérénité. Et m'a profité occasion ça tout pour moi, vont coup de chapeau pour le Premier ministre, parce que je connais qui a travaillé, qui a rencontré le monde jour et nuit dans les affaires dialogue là. Parce que je nous dis, pas dans quel pays sous la terre qui a développé sans stabilité politique. Stabilité politique, là, je nous ai toujours dit, c'est le premier des biens publics. Pas dans quel côté que nous allons aller sans bien ça. Son bien qui est important pour nous en pile. Pour nous, yon, nous allons garder l'autre dans les yeux pour nous dire la vérité. Parce que c'est Haïti d'abord. Chaque monde qui comprend que ce n'est pas collectivité que nous primer sous tête par nous, nous fait des fautes graves. Parce que pays, si nous arrivons à mettre tête nous ensemble, nous avons pile gros bagage que nous avons fait bouillir. Et il faut ne pas oublier que pays, c'est 27 750 km², pays, c'est 146 communes, pays, c'est 572 sections communales. Ça veut dire, tout haïtien, ça y est, yo toujours voulu vivre avec l'autre. Nous-mêmes, qui je dis, qui élite pays, nous avons un seul choix, c'est mettre tête nous ensemble. Élite politique, élite économique, élite intellectuelle, tout secteur organisé dans la société, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous passer un Noël dans la paix, un Noël dans la sérénité, un Noël dans... Parce que, il n'y a pas de côté que nous amener. Et c'est pour nous dire, tout le monde qui a fait politique active dans le pays, faut ne pas quitter nous ou bien l'autre prenne la provocation. Faut nous garder calme, nous garder sérénité, nous. Faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord avec nous. Faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. L'autre dossier, membre Conseil supérieur police nationale là, ak Assemblée sénataire réalisé en séance travail mardi 4 décembre sous question sécurité pays. Premier ministre Jean Rissayen précisé gen en pile j'ai fok ap fait sous question sécurité a pendant li parler sous travail diverses institutions dans l'état ap fait pour garantir yon climat la paix dans pays. Suivant extrait dans micro Fédéral confident ak Isabella Chéri. D'après loi sur la police là, c'est trois réunions ordinaires CSPN qui vont le faire par an. Et bien depuis monter, c'est une réunion extraordinaire, même qui est dans sous 7 déjà avec la police là. Et me voulais là prendre tribune ça pour me remercier, féliciter le directeur général de la police là. Policiers qui font travail que demander pour tout le monde commencer à apprendre, comprendre, capable d'évaluer par rapport à la capacité, moyen que vous gagnez. Mes amis, 16 000 policiers pour 11 millions d'habitants. Dans le pays, côté insécurité, ce n'est pas Jodi Alvini, insécurité, là, quelques jours, pour qu'on ait déraciné, mais la police a goumé avec mes moyens de gagner. Et si quantité effectif liye. Je dis, Parlement de NO dans le branche Sénat, et me sûr, c'est pareil dans le branche député. Moi certain, nous allons gommer ensemble pour nous battre la police à moyen, non seulement pour l'augmenter effectif, li, mais aussi pour être capable d'équiper tête li pour travailler la fête. Gain en pile problème. C'est certain, nous ne pouvons pas déballer tout le bagage là, parce que le travail qu'a fait au niveau de la police. Au niveau de CSPN, il y a c'est à huit clos pour nous traiter. Même quoi, ce moment pour nous dire la vérité à peuple haïtien. Vérité à tous côtés et m'espérer que chef police là que je connais, tel que je connais, avec capacité le gagner pour que le retrouver calme et sérénité, capable de dire tout, toute la vérité sur question. Parce que les Haïtiens la suivent, non. Je vous dis à ce moment vérité, que vérité a parlé entre nous. Et c'est cette vérité ça qu'a fait. Que nous tous suspendons nos mains l'une contre l'autre. Parce que le pays est en danger. Insécurité allemande, tout le monde.
Nous sommes dit là, président, insécurité a fait ravage. Et insécurité, ça, l'entrée dans ce cycle-là. Pas qu'un investissement dans le pays a tout le temps gagné sécurité. Pas qu'un touriste dans le pays a tout le temps gagné sécurité. Pas qu'une production nationale tout le temps gagné sécurité.